pas de changement de leadership en tête de classement. Avec une seule course World Tour au menu cette saison, le leadership de Michał Kwiatkowski a tenu bon. Malgré sa performance décevante sur Milan-San Remo, 11e, 45 points, le Polonais de la Sky conserve la tête de la race Eurosport, qu'il occupe depuis la semaine passée. Il profite pour cela de ses victoires sur le Tour d'Algarve et surtout sur Tirreno-Adriatico, pour devancer Caleb Ewan, 2e sur la Primavera, 400 points, 11 places gagnées, et Alejandro Valverde, qui perd une place sans avoir couru de la semaine. Évidemment, la remontée de la semaine est à mettre au crédit du vainqueur du premier monument de la saison, Vincenzo Nibali. L'Italien, qui a gratté 600 points dans l'affaire, gagne 261 places pour grimper au quatrième rang, à 29 unités simplement de Valverde. L'autre remontée est à mettre au crédit d'Arnaud Démare. Le sprinteur de la Groupama FDJ, 3e de la Classicissima, 200 points, en profite pour passer de la 22e à la 10e place et devenir le meilleur français. Le top 20 coureur pays équipe point 1, Michał Kwiatkowski Polonii Sky 815, émoticône souriant, 2. Caleb Ewan Australie Michelton Scott 780.11, 3. Alejandro Valverde Espagne Movistar 659 points, moins 1, 4. Vincenzo Nibali Italie Bahrain Merida 630.261, 5. Marc Soler Espagne Movistar 625.2, 6. Elia Viviani Italie Quickstep Floor 586.2, 7. TSJ Benoît Belgique Lotto Soudal 580.2, moins 2, 8. Dari Limpi Afrique du Sud Michelton Scott 550.2, moins 2, 9. Tim Wellens Belgique Lotto Soudal 505.2, moins 2, 10. Arnaud Démare France Groupama FDJ 485.12, 11. Dylan Groenewegen Pays-Bas Lotto NL Jumbo 461.2, moins 3, 12. Peter Sagan Slovaquie Borans Groe 456.2, 13. Simon Yates Grande-Bretagne Michelton Scott 420.2, 4, 14. Romain Bardet François AG2R La Mondiale 411.2, 4, 15. Michael Valgren Danemark Astana 400.2, 4, 16. Luis León Sánchez Espagne Astana 395.4, 4, 17, Jakub Marechko Italie Willie Triestina 350.2, 18. Gorka Izagirre Espagne Bahrain Merida 325.2, 19. Damiano Caruso Italie BMC 320.2, 20. Jay McCarthy Australie Borans Groe 301.2, les 5 stars en retrait 110. Greg Van Avermaet, BMC, 95.129, Michael Matthews, Sunweb, 80.232, Matteo Trentin, Michelton Scott, 40.323, Edvald Boasson-Hagen, Dimension Data, 20.544, Christopher Froome, Sky, 4 points, Michał Kwiatkowski, Tirreno Adriatico 2018, From Official Website, Les Surprises, Alvaro José Odeg et Fabio Jakobsen. On aurait aussi pu évoquer la belle semaine de Kenny De Haas, 6e de Lanzam Classique, 1er du GP de Denain, mais le Belge est une valeur sur des semi-classiques au contraire des deux coureurs de la Quickstep Floors. Néo-pro tous les deux, le Colombien et le Néerlandais ont surpris leur monde cette semaine en s'offrant deux semi-classiques de haut niveau avec des succès respectivement sur Lanzam Classic et Nocker Course. Deux épreuves du plus haut niveau continental, HC, remportées devant des coureurs confirmés, Coquard, Van Kirsbulk et Jans pour Jakobsen, Pelucchi, Blyth, Hofland qui témoignent du potentiel des deux hommes. Les Français si les tricolores étaient absents des deux courses par étape de la semaine, Taïwan et Alentejo, ils se sont montrés particulièrement à leur avantage sur les autres épreuves, à l'image du premier d'entre eux à la race Eurosport, Arnaud Démare, brillant 3e de Milan-San Remo. Si aucun succès n'est venu garnir le panier français, on retiendra notamment les performances d'Hugo Hofstetter, revenu au 33e rang grâce à une solide semaine.